J'ai un peu de vie, mais... Je suis cogné dans un mur. Ah oui? Vous vous êtes pas plutôt cogné dans un camion? Est-ce que vous avez vu un médecin? Oui. Oh, ça va très bien. Il a dit que c'était rien. Mais c'est pas la peine d'en parler à Eden. Ça l'inquiéterait vraiment pour rien, et puis à partir de janvier, je vais faire un peu plus attention au camion. Pourquoi? Vous n'avez pas été assez prudent jusqu'à maintenant? Vous avez du nouveau sur mon affaire? Non, et j'avais encore quelques questions à vous poser, d'ailleurs. Ah oui? Vous deviez connaître assez bien Elena Nicolas, puisque vous travaillez ensemble. Savez-vous pourquoi, alors, elle détestait les Capoëls depuis tant d'années? Alors, c'est rien. Je crois que, c'est à cause d'une histoire qu'elle seule aurait pu nous expliquer. Oui, c'est bien possible. Je crois qu'il va nous être très difficile de faire la lumière sur cette affaire compliquée. Compliquée? Si ça te tente, tu n'as qu'à manger le mien. Tu devrais te forcer. C'est bon, tu sais. Oui, mais tu vois, j'ai encore un peu de mal à ouvrir la bouche. Alors vas-y, Fugno, tu peux le manger. Gracias. De nada. Tiens. Tiens. Mets-toi ça sur le visage. Ça va te faire du bien. Ouais. Et il faut que tu retournes voir le docteur, sinon ce soir, t'auras encore plus mal. Ouais. Si seulement j'étais arrivé plus tôt. Bah, arrête de culpabiliser, tu m'as déjà sauvé la vie, là. Oh, excuse-moi de t'avoir parlé comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Oh, c'est... J'ai le mal du pays. Ouais, moi aussi. À quel coin est-ce que t'habitais? Oh, dans un tout petit village au nord de Mexico. C'est un coin vraiment très pauvre. C'est rien, ni eau courante, ni électricité, ni téléphone. Mais tu sais, on est riche, d'une autre façon. Un jour, j'ai voulu tenter la grande aventure. Je suis monté dans un camion avec d'autres types, ça a été terrible. La maison où on vivait était pire que cette prison. Il n'y avait vraiment pas de confort, c'était affreux. Ah oui, affreux, tu comprends? Ça avait l'air terrible, mais finalement, t'en es sorti, tu as survécu. Je ne pensais qu'à Louisa. Si tu voyais comme elle est belle, cette fille, elle est la vie. Et maintenant, je suis bouclé en prison. Aussi pauvre que quand je suis parti. Si c'est que Louisa peine toujours, il n'a pas tout perdu. Je parie que tu t'ennuies d'Eden, n'est-ce pas, Cruz? Ouais, elle me manque, mec. Elle me manque beaucoup. J'aimerais me réveiller tous les matins avec Eden à côté de moi, oui. Et tu sais, ce qui me manque le plus, c'est le fond de savoir. Ah, si tu savais, Julio, elle a une voix merveilleuse. Oui, c'est vrai que les matins me manquent. Et ce qui me manque aussi, ce sont les nuits. Aïe, ne me fais pas rire, c'est trop mal. Excuse-moi, je n'ai pas fait exprès. Mais reconnais quand même que les nuits sont longues ici, non? Ouais, mais tu vas sortir d'ici très bientôt, tu vas retourner à la maison. Oui, et alors? Mais alors, celle peut te plaindre, qu'est-ce qu'il y a ici, le docteur t'attend. Je veux te revoir. Du sadique avec un stéthoscope à la main. Figure-toi qu'il m'a enfoncé un doigt dans les côtes. Hey. Hey, ça va? Julio. Julio. Bon, c'est pas facile. Gardien! Gardien, venez vite! Dépêchez-vous, nom de Dieu! Gardien!
tu m'entends? Tout seul. Que traînes-tu là? Julio, parle-moi. Julio.